about, right? Cooking clothes, clothes pink bowls and holes, you know what I'm saying? Alors coucou. On se retrouve un nouveau jour avec notre abonné. Salut. Ok, salut. Avec notre abonné Zarko. Bon, après les avoir emmenés dans les Bauges, je les ai emmenés dans le Beaufort. Et c'est stylé, mon gars. Il est bien à sec le lac, mais il y a des jolis bouts de cascade quand même. Bon, on est au lac de Roseland. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'en avais fait une justement sur le cormet de Roseland. Salut, salut. Donc je vous invite à aller la voir. Donc là, on va aller voir le barrage. Et du coup, on a mangé dans un petit resto. La vue sur le lac, franchement, c'était stylé. Très bon choix. Salut, pousse-toi. Je sais pas par où on rentre. Parce que du coup, là, ils reviennent du col de la Croix de Fer. Et ce soir, ils crèchent sur Aix-les-Bains. Donc moi je les ai rejoints pas très loin d'Albertville, on va dire, et puis on est monté dans le Beaufort. Et puis on va dire que je les guide un peu pour l'après-midi pour rentrer sur Aix, voilà, pour prendre des routes un petit peu sympas. Allez, on se le prend ce petit barrage. Je vois rien mon gars. C'est pas fait pour, hein. C'est pas grave, on va s'arrêter après le barrage. On va regarder un petit peu tout ce qui se passe, c'est trop beau. Je suis trop excited. On va se garer juste là. Putain, n'empêche, tu peux aller te promener. Oh, si on se rentre dedans, ça va pas le faire. Hop là. Oh là là. T'es arrivé à voir quelque chose sur le pont? Non. Non, 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 c'est pas fait pour. C'est stylé de ouf. Je croyais vraiment. Hein. En bord de mer, tu sais. Les rocailles. On voit tous les petits ruisseaux. Là-bas, il y a une sacrée cascade. Oui. Putain, c'est à sec. Il fait si frais. Venez pas de mi-juillet à fin août, c'est blindé les gars, c'est pas agréable. Donc là on descend sur Beaufort et après on a plusieurs options pour rentrer sur Aix, mais on veut pas prendre la vallée encore là, à Albertville machin. Puis il voudrait voir le lac d'Annecy, donc on va voir si on se fait un petit col de tamier, et comme ça on redescend vers le patelin dont je ne connais pas le nom, Duint, je ne sais pas, vous moquez pas. Ou si on prend Ugine, tout ça, on va voir. Puis rentrer peut-être par un petit bout des Bauges, le col de l'Échaud. On va faire une descente tranquilloute. Bah surtout en fait ici c'est tout niqué. Tu vois, tu te cales en trois. Donc je vais pas trop vite parce que tu vois, c'est pas très agréable. Qu'on a dit tranquille sur la descente. J'essaye de pas rouler trop vite, qu'il arrive à me suivre pour perfectionner ses trajectoires. Oui, oui. Non, mais on y va tranquille, on n'est pas pressé en vrai. Je suis en pleine digestion, je m'affaisse. Oh, petite cascade des frais. Cascade des frais. Ah, c'est la moto qui conduit, hein. C'est pas moi. Que moi. C'est que j'ai calé. C'est lui. Je suis en digestion et voilà. Tu vois, je ne sens pas le besoin de doubler. Ah, ça me va bien ce rythme après manger là. Ça glisse, t'as mis des trucs sur la route. Ta gueule, tu joues sous tout le monde. Sommes beaux. On va le filmer un peu. Bah là, il passe devant parce qu'il a le GPS et que je sais que je vais me perdre dans Albertville.
Moi, me perdre? Bah non, ça n'arrive jamais. Voilà, on va le suivre un petit peu, ça fera l'occasion de le filmer. C'est vraiment stylé comme bécane. Ça change quoi, puis t'en vois pas du tout. Ça sort de l'ordinaire, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est pas facile quand t'as pas l'habitude de rouler en montagne. Du coup, les trajectoires, tu sais pas trop comment faire, c'est pas simple. Alors que si t'as quelqu'un qui t'ouvre la voie, c'est beaucoup plus facile. Parce que tu suis ses roues. Mais c'est vrai que quand t'es pas d'un coin de montagne, c'est trop dur. Enfin moi je vois, voilà, j'ai eu la chance de m'inscrire dans une moto-école, enfin... Ils nous ont expliqué tout ça, comment faire les trajectoires. C'est pas pareil, une trajectoire en montagne, c'est pas la même qu'ailleurs. Juste que j'ai foiré là d'ailleurs. Mais voilà. Et si tu le sais pas, tu peux pas deviner. Et quand on a commencé à rouler tous les deux avec Quentin, bah au début on galérait. Et au fur et à mesure, bah ça va mieux. En tout cas, encore merci à toi Zarco et à ta femme de m'avoir contacté pour qu'on aille rouler pendant votre séjour et tout. C'est bien cool. Ça fait une belle rencontre, chacun son rythme, hein. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire la course, on n'est pas là pour jouer à qui a la plus grosse. J'en ai pas de toute façon, donc je peux pas faire ça. C'est vraiment tranquille quoi. C'est vraiment une belle passion la moto. Hein. Oh là là, je kiffe. Zarco et ta femme. Hein. Merci hein, pour tout. L'échange, enfin c'est. Moi je kiffe. Hein. Merci, 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 merci. Route glissante. Oh putain. Ah c'est un régal là, ce petit bout de route. Oh il nous laisse passer. Oh là là, mais t'es une énorme bestiole. Merci bien. Ah il fait tellement chaud, on est en train de redescendre côté Albertville. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, 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 chaud. Et franchement, il s'en sort bien, tu vois, sur le rythme et tout. Les trajectoires sont pas parfaites, mais on s'en fout. De toute façon, faut bien apprendre à un moment, quoi. Mais il s'en sort bien, hein, pour un gars qui roule jamais en montagne, avec une moto qui fait 200, je sais plus combien, plus de 200 kilos, plus de 250 kilos, ouais, quelque chose comme ça. Plus les poids de ses valises, sa femme derrière. Enfin, franchement, il s'en tire bien. Hey, wow, petit pouce bleu pour Zarco. Non. Bonjour. C'est où? Tout droit. Tout droit. Ok. Bon alors col de Tamier, mais pas du tout par la route que j'avais déjà prise. Un petit col de Tamier avec des petits graviers. Il fait tellement chaud les gars, je suis collé à mon cuir. Là on monte en direction du bord du lac d'Annecy et puis après on prend les Bauges encore, col de l'Échaud et puis on retourne tranquille sur Aix-les-Bains par Cusy, voilà. Ça ils auront fait un beau tour encore aujourd'hui. C'est toujours le bordel quand on arrive au bord du lac. Et voilà, il est là les lacs d'Annecy. À prononcer le nom du acte, dites-moi hein, si vous savez. Something about that nicotine buzz when you only started smoking cause she did. Ça va?
on va tourner, on va encore pas prendre la même route, tu vois. D'accord. Ça, vous aurez fait toutes les Bauges presque. Un régal. Un régal. Je me suis jamais senti aussi bien. De l'échaud. Style lay. Bah, on s'est ramassé là, je vais aller voir pour faire le plan. Pardon. Ouais, bah vas-y, je te suis. J'ai pas vu où c'était exactement. Tout droit, et je sais plus. Vas-y, si tu me vois, tu me dis. Ça te va? Parce que. Intermarché, je sais pas où il est en vrai. Voilà. Non, mais je vais mettre du 98. Ouais, c'est bon. Bon, en tout cas, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche. Ça, je ne le dis jamais, c'est fou. Hein. Bon, c'est une première, voilà. Mettez la cloche là. Et puis, ma foi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bittersweetness.